بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم أما بعد فنكمل في دروسنا من كتاب نور الإضاح للشيخ الشرون بلالي رحمه الله fawassanna ila nawaqid al-masah. Nous continuons inchallah ta'ala dans ce cours notre, euh, du livre le, le livre Nourul Idrah du cheikh Shurmulali rahimahoullah. Nous sommes donc arrivés dans le dernier cours dans ce qui annule l'umaktaj sur les khouf. L'umaktaj sur les bottines. Faqala rahimahoullah wa yanqud masah al-khuffi arba'at ashya. Il y a quatre choses qui donc annulent L'humectage sur les chouffes. « Kullu shay'in yan kudu l'udhu »« Toute chose qui annule le l'udhu » est un annulatif également pour l'humectage des chouffes. « Wana z'u'u chouffin »« Walaw bi khuruj akthari l'qadami ila saqil chouff » Également, le fait d'ôter un des chouffes c'est pas une condition d'enlever les deux khoufs, mais de fait d'ôter un des deux khoufs, une des deux bottines, par le fait d'enlever la, la majeure partie du pied depuis euh, le haut du rouf alors cela annule également l'humectage. Selon la vie qui prévaut, selon la vie qui est juste, si de l'eau euh, aura recouvert sera rentré dans le khuf et aura euh, recouvert le pied. L'eau sera rentrée même dans un des deux khufs, une des deux bottines. Si l'eau est entrée par l'intérieur du, du khuf, également, selon la vie juste, cela annule l'humectage. <coughs> également, la fin de, du temps de l'humectage, la fin de la durée prescrite pour l'humectage, telle tel qu'on l'a mentionné dans le cours précédent, à savoir 24 heures pour le résident et 72 heures ou 72 heures pour le voyageur. Dès lors que la personne a atteint la durée, alors l'humectage est annulé. Il dit ici, sauf si. Euh, lui, il craint de perdre son pied en raison de cela. dans les trois derniers cas que l'on a mentionnés, alors il humecte, il, hum, euh, il lavera uniquement ses pieds. donc le premier cas qu'il a cité, c'est lequel c'est tout ce qui annule le wudu. donc si le wudu est annulé, il doit refaire le wudu en entier. maintenant, Lorsqu'il arrive au lavage des pieds, s'il a toujours les roufs euh, et que l'humectage est toujours valide, alors il suffit d'humecter, comme on l'a vu, sur la majeure partie du pied. Dans les trois autres cas, le fait, à savoir, le, retirer le rouf ou la majeure partie du rouf, ou que l'eau pénètre à l'intérieur du rouf, par exemple, ou que la durée se termine, dans ces trois derniers cas, il suffit de laver les pieds uniquement. Également, dans, ce, dans quel cas de figure Dans le cas de figure où la personne a fait la petite ablution entière, puis elle a mis les bottines, puis ensuite, euh, elle a annulé le woudou. Qu'est-ce qu'elle fait maintenant Elle refait le woudou, mais au lieu de laver les pieds, elle garde toujours ses bottines, elle humecte sur les bottines. Par la suite, si une de ces trois choses, des dernières choses qui, qui sont mentionnées, lui arrive, comme le fait d'arriver au terme des 24 heures, qu'est-ce qu'il fait Lui, il a toujours le woudou. Il a toujours le woudou, il enlève ses bottines et il lave ses pieds. Cela suffit. Tandis que s'il n'avait plus le wudu du tout, bien sûr, il refera le en entier. C'est pas valable de. Humecter sur le turban. Le turban, ce n'est pas valable si la personne a humecté la tête, puis après il a mis le turban, ou la qalan sua, ou si la femme elle a, elle a, elle a mm, lavé le visage et a mis le burqa, le, le niqab, ou si la personne a lavé les mains jusqu'au coude et ensuite il a mis des gants. Alors ce n'est pas valable par la suite, lorsque la personne veut refaire le wudu, d'humecter seulement sur ces choses-là à savoir la, le turban, la calan donc le, le, le chapeau ou le, le niqab ou les gants. Ce n'est pas valable. Pourquoi? Parce qu'il y a une règle chez les Hanafites qu'ils qu mentionnent le masah sur les bottines. Il a été confirmé. Contrairement à l'analogie, contrairement au qiyas. Par ailleurs, par conséquent. Euh, en réalité, il a été confirmé par les textes, que ce soit la parole du prophète والسلام, ou les actes du prophète. Donc, ce n'est pas par analogie, ce n'est pas par qiyas que les savants ont déduit que c'est valable d'humecter sur les bottines. C'est pour cela que, comme le jugement de l'humectage des khouf a été fait euh, contrairement à l'analogie, alors on ne peut pas faire l'analogie euh, sur, sur les bottines. On ne peut pas faire l'analogie entre une autre chose, à savoir le turban, la kalan, soit les gants, par exemple. On ne peut pas faire le trias, l'analogie sur les bottines, et dire aussi, dès lors, sur cela, on peut humecter. Puis il mentionne un chapitre concernant... Euh, le, le plâtre, l'attelle, et ce qui est pareil à cela. Wa al wa sallallahu alayhi wa sallam, ala rasulillah.